et signataire de la plateforme de Rome, janvier 1995, qui a réuni les principaux partis d'opposition et qui propose un contrat national pour une solution politique de la crise sur la base du respect des valeurs démocratiques. Monsieur Aitkneut est l'auteur de nombreux articles et entretiens, parus notamment dans les presses françaises, suisses et algériennes. Il est également auteur des ouvrages suivants, La guerre et l'après-guerre, L'afrofascisme, qui est une publication d'une thèse de doctorat sur les droits de l'homme dans la charte de la pratique de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, Mémoire d'un combattant, L'affaire Messili, qui traite de l'assassinat, en avril 87 à Paris, par les services secrets algériens, de Maître Ali Messili, dirigeant du FFS et bras droit de M. Aitkneut. Mesdames, Messieurs, il nous fait plaisir de remercier toutes les autorités fédérales et provinciales qui ont encouragé et rendu possible cette tournée d'informations de M. Alain Rachdi et Aitkneut au Canada. Nous devons souligner particulièrement le formidable travail accompli par le sénateur Jean Mirou, travail qui a permis à nos invités d'être reçus au Sénat canadien, au ministère des Affaires étrangères ainsi qu'au Premier ministère. Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence l'enthousiasme et la disponibilité de cette grande dame d'Algérie, l'Algérienne Marie Cardinal et de son mari Jean-Pierre. Nous tenons aussi à remercier publiquement et en leur présence les services de sécurité de la Gendarmerie royale du Canada. Nous remercions enfin toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont encouragés et aidés à concrétiser cette visite. Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer, parmi nos invités, la présence dans la salle de Madame Ouda Pépin, députée du PLQ, le Parti libéral du Québec. Messieurs Alain Rachdi et Aitkneut, bienvenue au Canada, bienvenue au Québec, bienvenue à Montréal. Monsieur Hussein Aitkneut, vous avez la parole. Reconquérir leur souveraineté en tant que citoyens et de faire
faire en sorte que l'Algérie redevienne ce dont tous ses amis à travers le monde ont rêvé qu'elle soit, un exemple d'ouverture, de modernité et de tolérance. Mesdames, Messieurs, la situation actuelle de l'Algérie se caractérise au plan politique par un énorme déficit de légitimité. Il n'y a aucune institution élue, bien mal élue, ne subsiste, à quel niveau que ce soit, aucune commune élue, aucune wilaya, il n'y a ni parlement élu, ni président élu. La constitution est violée globalement et dans le détail. Chelbi a été démissionné. Ezerwan désigné, comme vous le savez, par le Haut Conseil de sécurité. La gestion de l'État, par conséquent, est directement assumée par l'armée et la police politique, c'est-à-dire la sécurité militaire. Elle se caractérise également par la fermeture du champ politique et l'extinction des libertés démocratiques. L'état d'urgence proclamé après le coup d'État de janvier 1992 est toujours en vigueur et plus rigoureux que jamais. Il permet aux autorités militaires et policières de tenir sous contrôle la vie publique. Elle se caractérise aussi par le cloisonnement du champ médiatique, l'exercice par l'armée du monopole sur la télévision, la radio, la presse publique et la domination quasi totale de la presse privée par le biais de la répression, de la censure et des pressions de toutes sortes. La situation politique se caractérise au plan sécuritaire par des affrontements de plus en plus généralisés et sans cesse plus meurtriers entre l'AIP d'un côté, les services de sécurité d'un côté, et de l'autre, l'AIS et le GIA. Par les assassinats frappant toutes les catégories sociales et professionnelles, la mort au quotidien est horriblement banalisée. La manière de tuer en est arrivée à la plus sauvage des barbaries. Elle se caractérise aussi, cette politique sécuritaire, par la recrudescence des sabotages économiques et d'infrastructures scolaires, par la constitution de milices, le recrutement de gardes municipales et l'organisation d'unités d'autodéfense. Les phénomènes mafieux de banditisme ajoute à la spirale meurtrière. Un bilan redoutable de 45 à 50 000 victimes avec la perspective effroyable d'une guerre civile. La situation actuelle de l'Algérie se caractérise au plan économique et social par le rééchelonnement d'une partie de la dette algérienne, de même que les accords passés avec le FMI. Accords qui n'ont bénéficié ni à l'économie du pays, ni à l'écrasante majorité de la population. L'activité des entreprises est au point mort. Les licenciements massifs aggravent le chômage qui frappe de plein fouet notre jeunesse. Le niveau de vie et le pouvoir d'achat s'amenuisent à un rythme effrayant. La dévaluation du dinar et l'inflation accentue la pauvreté du plus grand nombre. Elle provoque une paupérisation accélérée des couches moyennes. Les liquidités rendues disponibles par le rééchelonnement ont fait l'affaire des spéculateurs de la nomenclature qui se sont rués vers des importations tous azimuts et en tout genre et à rendement rapide. Crédit et soutien financier accordé à notre pays ont donc servi à relancer la corruption et non pas l'économie. Au plan éducatif et culturel, la situation se caractérise par une gestion autoritaire, démagogique et discriminatoire de l'école.
une école sinistrée, pour un deuxième collège, avec des échecs massifs au baccalauréat, entraînant l'exclusion de la jeunesse que vous connaissez. Pendant que les enfants issus de la nomenclatura fréquentent les grandes écoles en Occident. L'exclusion de la langue parisienne continue. À la veille du XXIe siècle, notre pays n'est pas arrivé à concevoir et à réaliser le pluralisme linguistique, le pluralisme qui existe dans la société et qui a fait la richesse de notre culture. Après plus de trois décennies d'un déni de justice et d'un déni de culture, le pouvoir a opposé une fin de non-recevoir à la plateforme de consensus élaboré par toutes les associations et les personnalités qui ont porté la revendication des linguistiques berbères. Le 4 avril dernier, cette plateforme avait été présentée au président de l'institution étatique. Comment peut-on parler du sens de l'État quand ses détenteurs restent indifférents à la grève de l'école menée pendant 8 mois dans les régions berbérophones? Il résulte de ce traitement discriminatoire une grave tension chez la population berbérophone que par ailleurs le pouvoir tente de faire basculer contre le terrorisme au profit de sa seule politique d'éradication. Voici très schématiquement, parce que je préfère vous redonner la parole, la situation de notre pays. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Depuis l'indépendance, vous le savez bien, des clans militaro-policiers ont régné sans partage sur notre pays, par la contrainte, la corruption et par l'arbitraire. Ils ont confisqué au peuple sa souveraineté, ses idiots, son identité et son histoire. Ils se sont emparés de l'État pour s'emparer de ses richesses. 33 années de gestion bureaucratique, faites tour à tour au nom du patriotisme, de l'islam, du socialisme, ont abouti à l'exclusion politique et culturelle de l'écrasante majorité de notre peuple, ainsi qu'à sa marginalisation économique et sociale. Des revenus pétroliers permettaient d'acheter la paix sociale et d'assurer la continuité du système. Cependant, l'effondrement du prix du pétrole en 1985-1986 a mis le système en crise. Le régime a réagi à cette nouvelle situation en recourant à l'endettement à court terme et a tenté d'éviter d'initier des réformes économiques et politiques pour sortir de la crise. Cette tentative s'est heurtée au refus du pacte unique qui était dominé par la frange stalinienne. Pour contourner l'obstacle, les émeutes d'octobre 1988 ont été délibérément provoquées afin de casser le monopole du parti unique. Les émeutes d'octobre 1988 ont jeté une lueur crue et dramatique sur l'impopularité et le discrédit de la dictature. Elles ont mis à nu ses traditions répressives, expéditives et féroces, et soulignent ces pratiques manipulatoires redoutables. N'était-ce pas en effet les services policiers qui avaient préparé, suscité, provoqué et encadré la révolte de cette jeunesse de quartier populaire, victime du désespoir? Mais comme toujours, les apprentis sorciers n'ont pu maîtriser leur fuite en avant. Les émeutes d'octobre ont déjà ébranlé les fondements du système. Une à une s'effondrent les fictions sur lesquelles le régime a bâti sa puissance. Le FLN, qui n'avait pas d'ancrage populaire, est l'une de ses fictions. L'endettement de ses apparatchiks à refuser les réformes économiques rendues incontournables par la crise va pousser le clan des réformateurs à s'allier avec quelques tendances et chefs islamistes pour faire contrepoids aux récalcitrants du parti unique
et dans le même temps pour faire front contre les forces démocratiques en gestation dans la société algérienne. Le but stratégique de l'opération était ainsi, pour les tenants du régime, d'échapper au gigantesque souffle de liberté qui allait emporter des dictatures sœurs d'Europe de l'Est et d'Amérique latine. Ainsi naquit la politique de bipolarisation de la vie publique échafaudée par les stratèges du régime. Tout se passe comme si la Constitution de 1989, dans son article 40 relatif au pluralisme d'associations à caractère politique, était destinée à encadrer ce projet d'alliance bipolaire FLN-FIS, qui avait pour but le contrôle d'une société redevenue turbulente. Les trois années d'ouverture sous surveillance illustrent abondamment le régime de libéralité accordé aux FIS, cependant que le FLN allait subir de la part du pouvoir et des médias publics un traitement discriminatoire et des manipulations forcenées visant à le piétoniser. À deux reprises, l'armée a interrompu le processus électoral. Elle instaure l'état de siège le 5 juin 1991 et annule le scrutin législatif, sans même le prétexte d'un succès islamiste ou même d'un danger islamiste. Bien au contraire, le FIS appréhendait sa propre défaite aux élections législatives. Pour preuve, il avait appelé à une grève illimitée pour annuler le scrutin. Et cette grève même a fini par tourner court. L'armée annule une seconde fois l'échéance législative par le coup d'État du 11 janvier 1992. Le péril islamiste, entre guillemets, allait désormais offrir au pouvoir le prétexte du siècle pour mettre un point final au processus démocratique. La dictature militaire et policière tentera alors de se fabriquer une virginité moderniste, une virginité démocratique, et s'engagera dans la politique du tout répressif, la plus dangereuse des fuites en avant. Je pense nécessaire d'ajouter que la plupart des pays de l'Est, dans les structures, staliniennes et dictatoriales, sont tout de même passés à la démocratie sans trop de problèmes et assez rapidement. Globalement, ces pays ont pu passer la transition démocratique en l'espace de 2 ans. Voilà un pays, le nôtre, qui a les mêmes structures, qui a réussi à échapper à ce processus, et qui même aujourd'hui a réussi à se considérer comme le symbole de la modernité. À partir de quel miracle cette métamorphose a pu s'exercer bien, tout simplement, en jouant sur le syndrome du boulot, faire peur à la population algérienne, à l'opinion internationale, à propos de l'intégrisme, et se présenter comme le dernier rempart contre le totalitarisme intégriste. Si bien que lorsque vous voyez un journaliste d'origine communiste en Algérie parler dans les médias français, on ne peut pas dire, comme on pouvait le dire, que c'est un représentant ou un correspondant des ISBCA de la FATA. Non, on dit que c'est un éradicateur moderniste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir algérien n'est plus considéré comme une dictature et passe pour être le champion des droits de l'homme et de la démocratie, tout simplement parce qu'il a réussi à duper l'opinion internationale et en tout cas ses partenaires sur le fait qu'il demeure le seul instrument capable de moderniser la société algérienne. Voici pour le constat. Maintenant, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Est-ce que l'Algérie est condamnée à une fatalité? Non, l'Algérie a toujours défié la fatalité. Lorsque, avec tous les jeunes de mon pays,
nous avions envisagé une lutte armée contre la colonisation. Nous n'étions pas dupes de la supériorité du système colonial. Nous n'étions pas des naïfs pour nous mesurer militairement à une puissance militaire traditionnelle, à une puissance diplomatique, industrielle. Nous savions que c'était presque utopique de penser à engager une lutte contre un pays qui, pendant plus d'un siècle, nous a dominés et nous a réduits à l'esclavage. Mais il y avait une volonté de ne pas se soumettre. Et cette volonté a été partagée par l'ensemble du peuple algérien. Et c'est grâce à la détermination que l'Algérie a réussi à se libérer. Si donc ce pays a réussi un défi que les pays africains, asiatiques et latino-américains sont encore en train de considérer comme une des grandes prouesses de l'histoire, aujourd'hui l'Algérie doit retrouver toute sa mémoire pour précisément faire face à cet engrenage de violence qui s'est imposé à elle et qui, certainement, par la mobilisation de tous les Algériens et les Algériennes, finira par ouvrir la voie à une Algérie démocratique. Il n'y a pas de fatalité de la violence. Notre pays a montré que la guerre civile pouvait être évitée grâce à la population qui a refusé de s'impliquer du côté du pouvoir, de sa politique d'éradication, tout comme du côté des islamistes, par leur politique aussi d'éradication. Le peuple algérien a gardé tous ses atouts pour se sortir de la crise. Oui, une solution politique négociée est encore possible. Elle est possible ici et maintenant. Si le pouvoir en place accepte de prendre sa place autour de la table de négociation, car personne ne conteste sa place. Il ne reste plus. Pendant 3 ans, le pouvoir a prétendu dialoguer. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte que le dialogue borné à une conférence nationale, un simulacre de conférence nationale, il n'y a jamais eu de véritable dialogue. Et le 1er novembre dernier, le général Zerouane déclarait solennellement que le dialogue avait échoué par la faute des partis politiques et que de ce fait, il allait engager un autre cap dans la politique d'éradication. Nous avons reçu cette déclaration comme un coup de foudre parce que nous étions confrontés à un mur. Le pouvoir algérien n'a pas pratiqué une politique de porte fermée, mais il a pratiqué une politique de porte sans clé, de porte basse, qui en définitive se sont heurtées à un mur. C'est le mur de la déclaration du 1er novembre. Et c'est alors que, face à cette impasse intégrale, les partis représentatifs ont décidé de passer outre pour d'abord faire l'essentiel, c'est-à-dire de s'unir entre eux sur une plateforme. C'est l'événement des partis politiques dont les programmes sont aux antipodes et contradictoires puissent se mettre à discuter et arriver à un accord. Ce n'est même pas dans les traditions de l'Algérie, parce que
nous n'avons pas eu la chance de faire de la violence. L'Algérie, on peut dire qu'elle est née sous le signe de la violence, un système colonial des plus violents qui a, auquel a succédé un pouvoir indigène fondé sur aussi l'exclusion et la contrainte. Depuis 1962, les partis d'opposition non seulement n'ont pas pu se mettre d'accord, mais ils n'ont pas pu exister puisqu'ils ont été soumis à une répression. Le camp des forces socialistes a été l'un des premiers partis à subir la politique d'éradication. Combien de militants ont été torturés, combien de militants ont été tués. Et là, le dernier assassinat, notre ami Omar Hachem, on a parlé, c'est l'assassinat de Alim Sidi, un jeune Algérien qui a fait ses armes au maquis pour l'année de libération et qui, au lendemain de la libération, a quitté toutes les institutions du FLN et du GPRA pour lutter en faveur de la démocratie. Il a été assassiné par les services. Pasqua, ayant arrêté son assassin, il a remis au pouvoir agir. Alors, nous avons été donc le parti qui a été visé dès 1963 par une politique du tout répressive. C'est pour ça que, dans notre chair, nous sommes devenus allergiques à une politique d'éradication. Mais donc, depuis 1963, depuis l'indépendance, les partis n'ont pas eu de tradition ni d'occasion de s'unir. C'est la première fois que le Front des Forces Socialistes, le FLN, le FIS, le MDA, le parti de Jacobin, ont décidé de nous réunir à l'initiative de ces individus. Je n'irai pas dans le détail, mais je reprendrai volontiers vos questions. Le fait est que nous sommes arrivés à mettre en place une plateforme de sortie de crise. Depuis 3 ans, avant même la mort de Boudiaf, le Front des Forces Socialistes et moi-même, au cours d'une conférence de presse, avons proposé la tenue d'une conférence nationale souveraine pour sortir de la crise. Une conférence nationale souveraine sur le modèle de celle qui a été réalisée en Afrique du Sud. Penser que blanc et noir en Afrique du Sud, séparés par des siècles de haine, de lutte, d'assassinat, ont réussi autour d'une table à se mettre d'accord. Comment est-ce que les Algériens ne trouveraient pas en eux les ressources spirituelles, l'imagination nécessaire pour nous de s'en sortir. Là, donc, la proposition de conférence nationale souveraine était de réunir d'un côté l'armée et de l'autre les partis de l'opposition. Alors, puisque l'armée a proposé une fin de non-recevoir un vrai dialogue, il restait à lui faciliter la tâche. En fait, le problème était là. Les partis politiques, les signataires de l'accord de Rome, ont réussi à se mettre d'accord avec le gouvernement général. Cela a été un vrai coup de foudre et il n'a jamais été question dans notre tête de former un front contre le pouvoir, une alliance contre le pouvoir. Depuis 3 ans, le pouvoir a essayé d'amener le FFS à faire un front avec lui contre les intégristes, sans donner aucune preuve concrète d'un changement des institutions. Nous avons arrêté de nous faire duper. Nous avons refusé la Constitution
de ce franc en faveur du pouvoir. Donc, exclut également que nous allions dans une confrontation avec le pouvoir, puisque le but essentiel de la réunion de Rome, c'était d'offrir au pouvoir une négociation. Nous n'avons pas fait une déclaration de guerre au pouvoir, nous avons dit, voici la plateforme sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. Nous avons voulu la présenter au pouvoir, il a refusé de recevoir les délégués des signataires à Alger. C'était le but. Ce n'était pas de traiter le pouvoir comme il nous a traité par des diktats et des faits arriver. C'était de lui soumettre cette proposition et de dire, votre place est là, à vous, de dire quelles sont vos objections à cette plateforme, quelles sont les garanties que vous voulez pour vous-même, pour l'armée, et quelles seraient les conditions qui puissent sortir notre pays de l'engrenage insensé de la mort pour aller vers un régime démocratique comme tous les pays dignes de ce genre. Eh bien, malgré toute notre bonne foi, le régime a refusé. Il a utilisé l'expression « nous refusons globalement et on débat ». Et nous avons assisté à une campagne, je dirais grossière, qui explique que le régime, pour la première fois depuis 1962, a perdu l'initiative politique. Jusque-là, c'est lui qui menait le pays, qui décidait du dialogue ou de pas dialogue. Mais une fois qu'il a dit non au dialogue le 1er novembre 1974, l'initiative lui a échappé. Et surtout, je veux vous le confier, ce qui a outré le régime, c'est qu'il ne peut plus disposer, je m'excuse du terme, disposer du fils à sa convenance. Lorsque nous étions en contact informel avec le pouvoir pendant 5 mois, nous avons posé une question, est-ce que vous avez des contacts avec votre fils ? Le pouvoir a continuellement dit non. Et 2 ou 3 jours après, nous avons assisté à la mise en résidence surveillée, à la libération de la Bessimène et de Melhaj, à leur mise en résidence surveillée. Ce qui était pour nous un geste positif, nous étions contents, mais pourquoi ? C'est vous dire que depuis 1988, le pouvoir s'est acharné à jouer la carte du fils d'une manière occulte, clandestinement, pour dominer la scène politique et dicter sa loi. Alors, pour une fois, les partis politiques, dont le fils, ont décidé de se traiter mutuellement comme des partis majeurs, et cela en toute transparence. Donc, tout se passe comme si le pouvoir réagit d'une manière violente parce qu'il a perdu un atout, et je pense que cet atout va servir à rétablir la paix dans notre pays et à engager le peuple algérien à construire l'Algérie démocratique. Qu'est-ce que je puis vous dire d'autre ? Donc, malgré l'entêtement du régime à refuser le dialogue, nous maintenons l'offre et nous la renouvelons. Nous n'avons pas d'autre moyen, nous qui avons choisi la non-violence, que de tenir sur le terrain, de ne pas être tentés par le recours à la violence. Les signataires de la plateforme de Rome se réunit souvent à Alger, discute de la manière de casser le mur du silence qui entoure la plateforme de Rome. Vous savez qu'au lendemain de cette signature, le pouvoir a éloigné les dirigeants du fils. Ces dirigeants sont séquestrés. Pourquoi ?
Il est très clair qu'après la bipolarisation politique, le régime veut encore pousser à la radicalisation. Il ne veut pas que des voix modérées s'expriment. Que ceux qui ont voté, les 3 millions de votes qui se sont exprimés par le suffrage législatif en 1991, puissent avoir l'espoir, peut-être, de gagner par le bulletin de vote ce qu'ils essaient de gagner par la violence. Donc tout se passe comme si le pouvoir veut réduire tous les espaces d'expression afin qu'il y ait d'un côté les extrémistes islamistes et de l'autre le pouvoir lui-même. Alors, que faut-il faire? Nous avons eu plusieurs idées en tête, mais l'idée la plus importante est quand même de forcer le régime à nous permettre d'expliquer cette plateforme à la population algérienne. Je peux vous dire que la population est très au courant de cette plateforme. Vous savez que lorsque le pays est dominé, il cherche toujours à tirer sa revanche d'une manière clandestine. Donc tout ce que le pouvoir ne permet pas de circuler publiquement, cela circule. De plus, nous avons cessé au FFS de tenir des réunions, des conférences dans des stages fermés. Nous avons des publications, mais nous avons décidé d'aller, malgré les interdictions, expliquer à la population ensemble la sortie de crise que nous proposons au pouvoir. C'est ainsi que le 9 juin, une réunion doit avoir lieu à la salle Hacha où tous les signataires vont prendre la responsabilité et dire que leur volonté d'arriver à la paix civile, de respecter les termes de l'accord et de préparer la phase transitoire indispensable pour que le retour au suffrage universel se fasse d'une manière crédible. Alors, face à la volonté du pouvoir de casser la dynamique de Rome à l'intérieur et à l'extérieur, nous avons décidé de multiplier les contacts à l'intérieur et aussi à l'extérieur avec les Algériens pour qu'il n'y ait pas un son de cloche, il ne soit pas soumis exclusivement à la propagande de ce qu'ils ont voulu appeler les éradicateurs. Nous sommes tout de même très satisfaits de voir que malgré les campagnes menées par le pouvoir, il n'a pas réussi à mobiliser la population contre l'accord de Rome. Vous savez comment ces manifestations spontanées ont été organisées par l'administration. Ce sont les Walis qui se sont réunis, qui ont décidé d'envoyer des contingents à Alger pour manifester contre les mécréants de Rome, les croisés, et la population n'a pas répondu. À part les contingents, il y a évidemment des pratiques absolument totalitaires. Alors, les forces de police attendent l'arrivée des trains, ils enlèvent les cartes d'identité aux voyageurs, ils leur disent « après vous ayez manifesté, vous viendrez répondre ». Et c'est ainsi que les écoles ont été fermées obligatoirement. Et les professeurs sont tenus d'assister à la manifestation. Mais lycéens et enfants des quartiers populaires sont allés frapper pour casser les portes pour rentrer, pour aller au cours. C'est dire qu'il y a un immense espoir dans la population qu'une paix puisse précisément s'instaurer si le pouvoir arrivait tout de même à être convaincu de la nécessité de rentrer dans un véritable dialogue avec l'opposition. Pour mieux éteindre la dynamique initiée à Rome, le pouvoir a décidé de tenir des élections présidentielles. Comment est-ce qu'on peut imaginer la
possibilité pour les Algériens de faire librement leur choix alors qu'ils sont soumis à la terreur, aux pressions, qu'il y a une pré-guerre civile, que des régions entières n'ont plus d'administration, il n'y a pas de mairie. Et puis, à quoi sert d'ailleurs présidentiel ? Je crois que du fait même que le pouvoir est balancé la couleur est significatif. De tout temps, le pouvoir ne voulait pas faire des élections législatives. Parce que un nouveau parlement qui vient contrôler la gestion, qui fait les lois, contrôler le gouvernement, c'est une vraie trouée stratégique dans le régime même, dans le système stalinien qui nous a donné. Tandis que aller au présidentiel, un autre dictateur va venir. Cela veut dire qu'ils ont déjà gagné 3 ans depuis 1982, ajoutant 5 ans pour un président qui, selon la Constitution, a des prérogatives immenses. Et la preuve est donnée que, en fait, le pouvoir ne cherche qu'à se perpétuer pour perpétuer ses intérêts. Alors, nous disons, si vous voulez faire des élections présidentielles, il faut d'abord équilibrer, faire dans ces élections. Nous pouvons faire simultanément des élections législatives. Nous, au FFS, nous aimerions qu'il y ait une élection à l'Assemblée nationale constituante. Tout simplement parce que nous avons eu l'expérience de la première Assemblée nationale constituante de 1962-1963. Cette Assemblée avait été élue au lendemain de l'indépendance pour élaborer et faire adopter une constitution. Or, le pouvoir a fait faire une constitution en dehors de l'Assemblée, ce qui est insensé. Il y a de telles mentalités dans les sommets du pouvoir qu'ils pensent qu'on ouvre un parlement, on le ferme, comme on ouvre une boîte de nuit, on ferme une boîte de nuit. C'est important, une Assemblée qui a été élue, qui a subi l'investiture du suffrage universel. Eh bien, parce que la Constitution a été faite en dehors de l'Assemblée par un parti, de nombreux députés ont démissionné, dont le président de l'Assemblée, Farhat Abbas, qui était l'un des premiers, le premier président du GPR. Alors, le béaba de la démocratie, c'est qu'il y ait des bases constitutionnelles. Il faut qu'il y ait des institutions équilibrées. Il n'y a pas d'hypertrophie de la présidence, le césarisme présidentiel en Afrique et ailleurs a fait d'immenses dégâts. De même que le parlementarisme irresponsable a ses défauts. Mais qu'on aille vers une harmonie des institutions et qui plus est, en plus précisément de l'organisation équilibrer le pouvoir public, ce qui importe, c'est une charte des libertés, c'est une charte des droits de la personne humaine qui doit prévoir, qui doit faire de ces libertés, des droits de la personne humaine, des droits fondamentaux, que aucun gouvernement, aucun État ne peut remettre en cause. Donc nous aimerions aller à une constituante, mais nous sommes prêts à envisager d'aller à une présidentielle. Faire pendant l'Afrique du Sud, soumettre, par exemple, les accords de Rome ou les principes politiques admis à Rome, qui seraient enrichis par le pouvoir, qui seraient enrichis par la société civile, soumettre à un référendum en même temps ces principes constitutionnels pour que le président qui en sera élu et le Parlement soient tenus de respecter ces principes. C'est vous dire que nous sommes prêts à envisager compromis, mais nous ne serons jamais dupes. Souvent, et ça je crois que c'est une très grande satisfaction pour moi, j'entends des gens me dire, lorsque vous rentrerez en Algérie, nous serons sûrs que ça va bien, parce que vous ne vous laissez jamais avoir. C'est vrai, je crois que se laisser avoir, quand on a la confiance des gens, c'est une faute politique.
Donc, chez Tonan, Wassaïm Staralajrana. Je pense que le devoir de moi, c'est d'être vigilant, mais en même temps d'être réaliste. Vous dites, vous critiquez l'armée, mais vous proposez toujours que l'armée fasse partie des négociateurs. Est-ce qu'on peut imaginer une phase transitoire sans armée? Je crois qu'il y a suffisamment d'hommes intelligents dans l'armée pour qu'un jour ou l'autre ils se rendent compte que véritablement il est de l'intérêt personnel des militaires, de même l'intérêt de l'institution militaire d'aller le plus tôt sera le mieux vers une négociation dont sortira un vrai processus de retour à la discipline et de retour au processus démocratique. Je vous remercie et je suis là pour écouter vos questions. Merci, Monsieur Edelman. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été très attentifs. Comme vous le savez, il s'agit d'une conférence débat. Il y a des micros qui sont disponibles sur les allées, à droite et un autre à gauche. Nous souhaitons Monsieur Etafed vous demande si vous voulez qu'on lise la plateforme en cas d'avenir, soit maintenant, soit à l'occasion d'une question. Donc je disais que Monsieur Alain Rachetry et Etafed sont entièrement disposés à répondre à vos questions, à toutes vos questions, sans aucun tabou. Le démocrate et le militant de la cause Benazir, c'est-à-dire Berber, pour ceux qui ne le savent pas. Depuis quelques années, je dois dire que je n'arrive plus à suivre certaines de vos positions. Parmi les signataires de la plateforme de Rome, Benbella et Ben Fenech ont toujours combattu la revendication à Nazir, car celle-ci est porteuse de démocratie. Ils ont même favorisé la montée de l'islamisme pour mieux la combattre. Pour les islamistes, il est blasphématoire que de prétendre que la langue amazigh puisse égaler la langue du Coran, c'est-à-dire l'arabe. D'autre part, il y a en Algérie principalement deux partis politiques qui revendiquent la reconnaissance officielle de l'identité amazigh. Votre parti et le RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie. Ces deux partis ont la même base électorale et le même projet de société à quelques nuances près. Je m'attendrai donc à ce que vous fassiez front ou que vous vous associez stratégiquement avec ce parti et d'autres organisations démocratiques qui partagent vos idéaux pour avoir plus de poids pour d'éventuelles négociations, que ce soit avec les islamistes ou le pouvoir. Or, je constate que vous favorisez davantage les alliances contre nature avec ceux qui vous ont toujours combattu ou dans les pratiques sur le terrain sont radicalement opposés aux idéaux que vous affichez. J'aimerais savoir pourquoi. Merci. Des luttes politiques,
ces luttes idéologiques n'expliquent pas les différentes orientations politiques. Pour ce qui est du RCD, je m'inscris en faux quand on dit que nous avons le même projet de société. Non, nous n'avons pas le même projet de société. Quand on demande à l'armée d'intervenir pour faire la démocratie, pour moderniser la société, on sait ce que cela signifie en Amérique latine. On en a fait l'expérience sur nous-mêmes. Quelles que soient les professions de foi officielles, c'est la mise en pratique de ces principes qui importe. Alors, nous sommes désolés, nous avons salué le pluralisme politique en Algérie, mais force est de constater que le pouvoir a tout fait pour casser les forces démocratiques en créant des partis qui lui sont très proches. Je pense que ce qui nous dit, pour une stratégie populaire. Nous ne voulons rien avoir avec ce pouvoir, bien que nous ne pouvons rien faire avec le pouvoir. Nous sommes pour la négociation. Mais d'emblée, nous nous sommes dit qu'il faut calmer les masses populaires, il faut que cette société prenne ses responsabilités. Nous avons voulu faire un travail pédagogique pour que les citoyens et les citoyennes s'assurent. C'est ainsi que nous avons une stratégie, je dirais, honnête et conséquente concernant le mouvement associatif. Nous avons aidé les femmes algériennes à s'organiser à Paris, à Neba, à Sétif, à Constantine, à Alger, et nous leur avons demandé de se mettre d'accord, de constituer une fédération. De même que concernant le MCB, notre rôle était de l'aider, parce que le mouvement associatif constitue cette fraîcheur d'expression indispensable pour connaître les sentiments et les intérêts de la population. Alors, comment se fait-il que nous ayons soutenu la manifestation du MCD de janvier 1990, alors que le RCD l'a dénoncé? Il y a là une volonté d'instrumentalisation aussi de la cause tunisienne. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est pour la démocratie quand on a un amalgame, la revendication de la culture berbère avec l'appel aux populations berbérophones, se mettre du côté du régime pour lutter contre les islamistes? Comment est-ce qu'on arrive à un homme politique ne percevrait-il pas un danger de voir l'équation traditionnelle, démocratie, dictature, se transformer en problème capillaire? Ce qui amènerait les plus grands dangers à notre société, dont le danger de l'épuration ethnique. Alors, vous dites pourquoi vous vous êtes assis avec le Béla, le FML. Nous avons fait un compromis. Mais nous n'avons pas fait un compromis sur le dos de la population. Ben Béla, le FML et le FIS ont reconnu la langue tamazirte comme l'une des composantes de la personnalité algérienne, ce que le pouvoir avec lequel l'RCD nous a contesté. Le 4 avril dernier, pourquoi le consensus réalisé par toutes les tendances berbères a-t-il sauté? C'est parce que, au niveau des appareils du parti du RCD, un accord a été sur le dos de la langue berbère. N'est en aucune manière question de la reconnaissance de la langue tamazire comme langue nationale, langue officielle, et n'est reconnue comme langue parlée par les Algériens, ce qui serait une reconnaissance de la palisse. Bien sûr que la population, heureusement, continue à parler cette langue. Mais nous avons compris, et nous avons averti d'une façon indirecte, ne vous laissez pas prendre au piège. Le souci du régime n'est pas du tout la culture. Il a laissé pendant 8 mois à Grève, le boycott sans avoir le souci de l'avenir des enfants. Donc, le déni de justice, le déni de culture date depuis 1962. Et si le pouvoir a accepté de discuter avec les représentants de la plateforme de Tamazirt, c'est qu'il avait en vue de la casser en
en vue de préparer les élections présidentielles, qu'il y ait une partie des capitales, entre guillemets, qui vont dans les urnes, et Antenne 2 et TF1, ils vont faire des films pour montrer que le boycott éventuel des élections présidentielles ne sera pas un boycott total, que les gens pourraient. C'est dire qu'il y a là une instrumentalisation dangereuse. Alors, je regrette de vous dire, si les démocrates ne sont pas unis, il faut revoir un peu ce concept d'être démocrate. Qui sont les démocrates? Qu'est-ce que la démocratie? Il ne suffit pas de s'entendre sur des principes. Il faut une politique de mise en pratique cohérente et conséquente avec ces principes. C'est ce à quoi nous nous sommes astreints lors des négociations à Rome. Nous nous sommes mis d'accord sur un ensemble de principes, mais nous avons arrêté tout un processus. Nous avons prévu des garde-fous pour que ces principes soient véritablement concrétisés dans la réalité. Alors, nous sommes obligés de vous demander comment est-ce qu'on peut parler avec le pouvoir qui vous dénie le droit de qui dénie à nos enfants de voir la langue dans l'école algérienne. Alors, je préfère peut-être laisser la suite de mes réponses aux questions qui vont suivre. Mais j'aimerais bien redire certaines choses encore. On vient de recevoir deux questions écrites avec un mot de bienvenue. Pour la première question, nous pensons que M. Ahmed vient de répondre. Ce n'est pas la peine de lui reposer une question, il vaut mieux avancer dans le débat. La deuxième question, M. Ahmed, votre parti se représentera-t-il aux élections présidentielles? Non. Je crois que je n'ai pas entendu cette question. Moi, je pense que avec les choix personnels, les problèmes personnels ne comptent pas devant les questions que pose l'avenir de notre pays. Ce qui nous importe, c'est que les malheurs que connaît notre population servent à l'Algérie à franchir cette transition qui la sépare de la démocratie. Vous savez, j'aimerais quand même me référer au modèle espagnol. Les Espagnols ont réussi leur passage après la mort de Franco vers la démocratie pour la simple raison que le syndrome de la guerre civile a joué dans leur mémoire. Qui est plus dur d'entre les acteurs politiques? Même Carrillo, le chef du Parti communiste, qui était contre la monarchie, a accepté de jouer, de reconnaître la monarchie. Si on parlait comme ça dans l'abstraction pure, on dirait c'est un renégat, il a renié ses principes pour lesquels des centaines de milliers se sont tués pendant la guerre civile. Eh bien, il a été monarchiste parce que seul le roi pouvait tenir l'armée. Et il était nécessaire de tenir l'armée pour que le processus démocratique puisse parvenir à sa fin. Aujourd'hui, c'est quand même heureux de constater que le pluralisme linguistique, le pluralisme politique est en train de se développer sans grand problème en Espagne. Mais simplement, j'espère que toutes ces atrocités, il ne suffit pas de tuer, il faut égorger, il faut décapiter, il faut séparer les têtes. Ce sont des monstruosités dont personne n'a pensé depuis ce jour être connu par les Algériens et par nos enfants, en intermédiaire de la télévision. Alors que tout cela puisse nous servir à ne rien faire dans l'avenir, qu'il puisse perpétrer le cauchemar et qu'il puisse nous ramener vers cette situation. J'espère que le syndrome aussi
de l'après-guerre civile soit un élément de responsabilisation de tous les Algériens, de tous les Algériens. Nous devons, chacun de nous a fait des erreurs, nous devons faire un examen de conscience et débattre. Je crois que c'est le débat qui va empêcher la radicalisation. C'est l'absence de débat qui pousse les acteurs politiques à l'extrémisme. Alors, ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas, de se présenter ou de ne pas se présenter à telle ou telle candidature. Ce qui importe, c'est d'abord de convaincre le régime, de demander à tous nos amis à l'étranger, à tous les amis de l'Algérie, à tous ceux qui n'ont pas oublié ces sacrifices, qu'ils interviennent auprès d'Algérie, non pas d'une manière tempestive, mais d'une manière individuelle, voire collective, qui dise au pouvoir algérien, nous avons compris votre jeu, nous ne sommes pas dupes de votre jeu, alors négociez s'il vous plaît, parce que si l'Algérie est déstabilisée, c'est le Maghreb qui est déstabilisé, qui plus est de la manière dont l'Algérie sortira de cette crise. Eh bien, le monde musulman pourra envisager une vie politique équilibrée. Si l'Algérie, je l'espère, sort rapidement de cette tragédie par une solution politique négociée, eh bien la preuve aura été faite dans les autres pays musulmans que la fatalité de la violence n'est pas réelle et qu'ils peuvent aussi s'en sortir. Par contre, quel rapport, quel dialogue peut-il y avoir entre le monde occidental et l'islam si, là encore, on fait l'exception de démocratie, l'exception de respect des droits de l'homme pour l'Algérie. On a tellement fait l'exception pendant la décolonisation, on a pensé que l'Algérie était condamnée par le colonialisme à être le dernier des derniers. La preuve a été faite que l'Algérie s'est assumée et qu'elle est arrivée à se soulever. Alors, il importe aujourd'hui de se conduire d'une manière responsable. Les gens qui meurent, ce ne sont pas des abstractions. Chaque victime, chaque innocent qui meurt, on n'a pas besoin qu'il soit vengé pour que l'on dise d'autres innocents. C'est la population civile qui souffre de tout cela. Alors, chaque être, chaque femme, journaliste ou intellectuel, que nous condamnons, tous ces exemples, nous les condamnons de la manière la plus dure. Non seulement nous les condamnons, mais nous avons tout fait pour qu'on en arrive là. Et aujourd'hui, nous ferons tout pour trouver une issue pacifique. Mais chaque mort a une famille, a son épouse, a des amis, et c'est un enfant de l'Algérie, et l'Algérie ne doit se passer d'aucun de ses enfants. Alors voilà, en clair, ce qui m'importe, ce n'est pas de représenter ou pas de représenter, ce qui importe, c'est de convaincre le pouvoir d'aller au suffrage universel, mais d'y aller sérieusement. On ne peut pas aller au suffrage universel sans phase transitoire, sans institution transitoire. Il faut un gouvernement de transition qui puisse être crédible, qui puisse mobiliser et rassurer la population. Il faut une institution, législative, qui, avec le président, donc, nous ne contestons pas la présence. Lors de la dernière rencontre entre le Front des Forces Socialistes et la présidence, les délégués du FFS ont dit, Monsieur le Président, pourquoi vous voulez aller à des élections présidentielles? Vous êtes là, restez. Il faut quand même que l'Algérie sorte de la dictature et qu'on puisse véritablement redonner l'espoir à ces populations qui résistent à leur manière, qui résistent dans le silence. Et qui, en tout cas, ce qui me concerne, je souhaite assez rendre hommage à tous ceux qui ont au niveau local, des Algériennes, des assistantes sociales, des infirmières, des syndicalistes, tous ceux qui, au niveau local, conseillent la population à patienter, de ne pas se livrer à des vengeances, de ne
pas s'impliquer avec le pouvoir, de ne pas s'impliquer avec les extrémistes islamistes, ce sont ceux-là qui demain se rassembleront et mettront en place ce pôle démocratique pour nous, dont nous parlons, et qui est irréductible des partis politiques et auquel doivent être associés tous les mouvements associatifs librement et toutes les forces de la modernité et de la démocratie. Je vous remercie. Si vous permettez, on va accumuler un certain nombre de questions pour vous permettre à M. Ahmed de répondre globalement et de ne pas émietter le débat par des petites questions, par qui ça la tête, et on finit pour ne pas avoir l'impression de tourner en rond. Donc il y a des questions écrites qui nous sont parvenues. On peut. Pour être né en novembre 54, j'ai l'âge de la révolution algérienne et justement je ne suis pas libre. Vous avez longuement insisté sur les agissements du pouvoir, vous n'avez rien appris. J'aurais souhaité que vous insistiez beaucoup plus, et vous ne l'avez pas fait, sur le projet de société qui est que les tenants de l'option islamiste nous réserve. Merci. Bonsoir à tout le monde. Ce qui paralyse actuellement l'Algérie, je pense, c'est le cercle infernal, assassinat, répression, destruction, etc. Ce que je voudrais savoir, c'est dans quelle mesure la plateforme de Rome arrêterait immédiatement ce cercle infernal. Et notamment, pourquoi il n'y a pas eu une opposition concrète, fût-ce un tel une période test de 3 mois où il n'y aurait pas d'assassinat. Monsieur Hossein Henk, Azul Lev, bienvenue à Montréal. J'ai 4 petites questions à vous poser. Première, pendant la guerre du Golfe et lors de votre passage dans un des villages de Kabylie, vous avez dit que l'Irak se cherche Signa. Vous avez dit l'Irak se cherche Signa, voulant dire que l'Irak est la chair de notre chair. Dites-nous sincèrement, est-ce que vous le pensez aujourd'hui? Deuxième question. Cela fait 32 ans que vous êtes dans l'opposition. Cela fait 32 ans que M. Mahdi, chef du FLN, Front de Libération Nationale, excusez. Cela fait 32 ans que M. Mahdi, chef du FLN, est au pouvoir aussi. Comment expliquez-vous aujourd'hui que vous soyez main dans la main avec lui qui se découvre maintenant comme un démocrate? Question numéro 3. La majorité a été inscrite, grâce à vos efforts d'ailleurs, dans la plateforme de Rome. Pensez-vous que réellement c'est une avancée dans la revendication identitaire et culturelle? Par ailleurs, on vient d'institutionnaliser la majorité en créant officiellement en Algérie le Haut Commissariat à la majorité pour l'enseignement de cette langue et son utilisation dans le champ de la communication. Pensez-vous aussi qu'il s'agit là d'une avancée dans la revendication identitaire et culturelle? Dernière question. Dans la presse algérienne, le matin numéro 1013 du 29 avril 1995, les habitants du village d'Ikouzel
vous ont adressé une lettre suite à l'accusation qui a été lancée contre eux, les traitant de miliciens ou de pères. Notamment à Mejdi Mujahed, pendant la guerre de libération algérienne, et Mohamed Roche qui a pris la charge du FFS en 1963 dans la région. Ils déclarent qu'ils ont voté pour vous en 1991, mais aujourd'hui, en résistant, en défendant leur honneur, ils sont traités par votre parti de tous les noms. Ils ne vous font plus confiance qu'elle est votre commandant. Je tiens à votre disposition cette lettre aussi des journaux matin. Pourquoi vous n'avez pas parlé du projet de société, de l'option islamiste? Bah, je pense que vous la connaissez, ce n'est pas à moi à parler de l'option islamiste. Vous savez que le fils avait pour objectif, il a toujours pour objectif l'instauration d'un régime islamiste. Vous le savez très bien, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Sauf que entre des acteurs politiques qui prennent la violence et d'autres dont nous souhaitons qu'ils abandonneraient la violence pour venir accepter le débat, nous préférons avoir une conception moderne de la sécurité. La sécurité, ce n'est pas la violence. La sécurité a toutes ses dimensions psychologiques, politiques, alimentaires. C'est la doctrine moderne. Je me demande souvent comment est-ce qu'on peut parler de modernité quand on n'a pas une logique moderne. Souvent j'entends des éradicateurs qui sont des propagandistes, je respecte, dire des prémices qui sont justes. À savoir qu'ils dénoncent les assassinats, ils dénoncent les exactions, ils sont contre le totalitarisme. Mais ils n'adoptent pas une conclusion cohérente par rapport à ces prémices. Les prémices ne débouchent pas sur la volonté de mettre fin à tous ces actes de barbarie. C'est cela qui est important. Souvent, le raisonnement est tellement idéologique qu'on préconise une chose et son contraire. Alors ce qui nous importe, ce n'est pas de faire fuir un parti démocratique. C'est de l'amener à accepter de nouvelles règles du jeu et, de ce fait, isoler les tenants de l'extrémisme, les tenants du radicalisme violent. Voilà pour cette question. En ce qui concerne les mesures devant amener la PCF, alors là, pourquoi j'ai dit que le texte, vous devez lire le texte, la lire sans préjugés, pardon. Vous devez la lire sans préjugés et... Alors après, l'adoption des principes, des principes... Voilà. Alors, les principes. Le rejet de la violence pour accéder ou se maintenir au pouvoir. C'est le premier principe. C'est cela qui est important. C'est qu'on s'engage à ce que jamais plus on n'a recours à la violence. Et je pense que le pouvoir n'a pas à accepter difficilement ce principe parce que depuis 1962, il n'utilise que la violence pour se maintenir au pouvoir. Et je vais vous donner un exemple que j'ai vécu dans ma chair. En 1965, j'ai été condamné à mort et envoyé à la prison de Lambès. Et puis, Ben Bella m'a dépêché un avocat pour dire
trois mois après ma condamnation, qu'il était prêt à négocier. J'ai dit, moi, je suis en prison, je ne négocie pas. Je suis sous pression, je ne suis pas libre, mais donner un passeport à des amis pour qu'ils puissent négocier hors de l'Algérie, hors des contraintes. Il y a eu une négociation, il y a eu un accord, et l'accord FFS a été publié le 16 juin 1965. C'est la première fois que, techniquement, on sortait du parti unique. Moi-même, j'ai été ramené dans l'avion spécial de Benabella, à la prison de la Sorte, j'allais dire de la Sorte, à la prison de Harach. Et trois jours après, en bas de combat, j'entends des chars d'assaut qui entourent la prison, et puis des gendarmes qui font irruption dans ma cellule. J'avais appris par la BBC dans un petit bateau qu'il y avait eu un coup d'état. J'ai demandé à voir le chef de gendarmerie, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Il a dit, nous avons été envoyés pour assurer votre sécurité. Et alors, comme de temps en temps j'attrape des crises, je lui ai dit, on n'a jamais vu un pays dans lequel les forces de sécurité entre dans la prison. Vous n'avez qu'à la sécurité. Mais c'est pour dire, c'est important, que l'armée a anticipé. Dès que l'accord a été publié, l'armée a anticipé pour faire un coup d'État et emprisonner Benalla. C'est pour dire que depuis 1962, il y a une ligne rouge faite par les vrais tenants du pouvoir qui ne doit jamais être dépassée. Et quand elle a été dépassée ce jour-là, vous connaissez la réaction. Le rejet de toute dictature, quelle que soit sa nature ou sa forme, est le droit du peuple à défendre ses institutions élues. Alors, initialement, la rédaction était différente. Le rejet de toute dictature, laïque ou théocratique, c'était très clair. C'est l'arrivée d'un autre participant, Jabota, deux ou trois jours après, il n'a pas pu assister au début, qui a encore poussé à faire un autre compromis. Mais c'est très clair. Le respect et la promotion des droits de la personne humaine. Vous voyez que nous avons adopté le concept canadien, pas les droits de l'homme. Parce que les droits de la femme sont à l'égal de l'homme, doivent être respectés et promus. Énoncé par la Déclaration des droits de l'homme et les pactes internationaux, c'est-à-dire le respect de l'alternance politique, le respect de la légitimité populaire, la primauté de la loi légitime. Alors, la primauté de la loi légitime, toutes les interprétations qui ont été données, il s'agit d'une loi votée par les institutions régulières du pays, et non pas la charia. La garantie des libertés fondamentales individuelles et collectives, quelle que soit la race, le sexe, la confession et l'âme. Alors, évidemment, pour concrétiser tous ces objets, il faut d'abord ramener la paix, il faut d'abord que le droit de l'homme le plus élémentaire puisse être respecté, c'est-à-dire le droit à la paix, le droit à la vie. Et donc, comment ramener la paix? Et ces packs de discussion ont été extrêmement longs. Nous avons prévu, évidemment, les procédures qui doivent exiger les deux protagonistes de la violence qu'ils annoncent le même jour les décisions pour cesser le feu des deux côtés, qu'il y ait une trêve. Mais nous avons tenu à ce que, d'ailleurs vous lirez, nous allons mettre à votre disposition cette plateforme, nous avons tenu à inclure une précision. Les partis politiques non violents ont le droit et le devoir de participer à ces discussions techniques, ne serait-ce que pour donner plus de crédit, ne serait-ce que pour amener la confiance et l'adhésion de la population. Nous ne voulions pas laisser seul à seul les protagonistes de la violence, pour que véritablement ce retour à l'armée ne soit pas un retour d'apparatchik, qu'il soit un retour général de la population, puisse avoir son mot à dire. Donc je pense qu'en préparation de tout ça, nous avons demandé au fils d'être très clair, de dénoncer les assassinats de civils, d'étrangers, les attaques contre les infrastructures. Donc, je pense avoir répondu à cette question. Alors, il y
l'Irak. Je suis irakien. L'Irak, c'est la chair de ma chair. C'est une façon de parler. Lorsque les Américains ont déclenché la guerre contre l'Irak, je dirais contre le peuple irakien, c'était notre devoir de dire halte-là. Nous avons été le premier, le seul parti en Algérie à faire un meeting le 3 août 1990. Donc, au lendemain de ce que nous appelons l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion du Koweït au Irak, nous avons dénoncé l'Anschluss en le terme suivant. L'histoire a prouvé que les oppresseurs de leur peuple ont toujours tendance à faire de l'annexion à l'extérieur. Nous l'avons dénoncé. Mais aussitôt que la tournure des événements, on est arrivé à une guerre électronique, déclenchée par manière que vous savez, avec cette coloration un peu de croisade. Cela, nous sommes des Algériens, nous sommes des êtres humains, je pense que de très nombreuses personnes non islamiques, non arabes, etc., ont été véritablement choquées par cette guerre du Golfe. D'ailleurs, nous n'étions pas, nous ne disposions pas d'un cadre politique responsable, puisque nous considérions que cette guerre allait renforcer les intégrismes de toutes sortes, les intégrismes nationalistes et les intégrismes islamistes, que d'ailleurs, je me permets de vous dire que ces courants anti-occidentaux ont été vraiment atténués lorsque la plupart des gouvernements, des partenaires de l'Algérie, ont fait des déclarations après Saint-Égidio disant qu'il faut que l'Algérie connaisse la paix, qu'il y ait un dialogue, et qu'ils se sont référés à la plateforme d'Europe. C'est-à-dire, pour la population, que finalement, ces Occidentaux ne veulent pas le malheur des musulmans. Eux s'inquiètent de l'avenir de notre pays, alors que les gouvernements de ce pays semblent tourner le dos au sort réservé à leur population. Alors, 32 ans. Vous êtes fatigué de me voir, 32 ans? Là, je souhaite rester. Je ne suis pas au pouvoir. Je vais bien. J'aimerais bien être jeune. Si jamais on me dit vous n'avez pas d'expérience, laissez-moi faire mon expérience. Comment est-ce qu'un jeune pourrait être responsable s'il ne fait pas des erreurs? Alors je pense que la plupart des dirigeants jeunes ont le temps de rester jeunes et de laisser les plus vieux tirer les ficelles. Bon. Pourquoi nous avons négocié avec Berlin alors que Berlin est un ancien? Le FPS n'a pas la prétention ou la bêtise de penser régenter le pays à lui tout seul. Il faut mettre fin à l'engrenage de violence, de répression et de terrorisme. Il faut associer la plupart des forces représentatives. Saint-Égidio, lorsque la communauté de Saint-Égidio m'a invité, j'ai dit qu'il faut inviter tout le monde. Tout le monde avait été invité, le RCD, le Tahadi, mais c'est le dernier moment où nous répondre à la condamnation, c'est leur affaire, mais le FLN était là. Les problèmes ne sont pas des problèmes de personne. Je n'aurais pas aimé personnellement rencontrer certaines figures que je connais. Quand je vois Giscard d'Estaing, je vois certaines vieilles figures en France, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que je ne compare à eux, j'appartiens à une autre génération. Mais le fait est que, là, il y a un Akeba de Khir, il y a un Akeba de Khir. J'espère ne pas mal tourner. Parce que quand on fait une faute politique, c'est tout ce qu'on a fait durant toute sa vie qui peut être remis en jeu. Alors jamais on ne prendra en flagrant délit de trahir le principe et de faire le jeu de calcul politique. Même Mahdi et les autres, les ai retrouvés. Un compromis, c'est un compromis. Chacun fait des concessions. Et c'est le propre, je crois, on n'a pas inventé une autre solution.
dans l'histoire pour mettre fin à un conflit qu'une négociation. On ne négocie pas avec soi-même ou avec ses amis, on négocie avec les adversaires pour mettre fin au conflit. Alors, est-ce que la passivité a été une avancée est-ce une avancée identitaire du fait qu'elle a été reconnue à cette décision? Moi, je pense que parce que vous voyez le pouvoir refuser de prendre en compte la revendication. Bien, je crois même se satisfaire qu'elle a été prise en compte par les partis présents avant, surtout que le pouvoir est minoritaire et que les partis représentés avant sont quand même autre chose qu'ils représentent, je ne dirais pas l'écrasante majorité, mais une majorité significative dans la société algérienne, et c'est tant mieux qu'on ait cassé ces clivages qu'aujourd'hui la revendication Al-Mazir a dépassé les régions vers l'Europe. L'Institut. Alors, vous dites qu'il y a un institut qui a été créé. C'est ça, c'est l'institut de l'Al-Mazir. Non, c'est pas avoir jugé. L'UICD a derrière lui une très longue lutte pour l'institut de l'Al-Mazir qui lui appartient de faire une déclaration sur cela, de se définir s'il est satisfait ou pas. Je ne peux pas faire une déclaration à sa place. Nous ne faisons que soutenir les revendications de mouvement MCP. Alors, vous nous parlez maintenant du matin. Comment on appelle le matin en roumain? Il y a des gens qui connaissent le roumain ici. Oui, alors le matin est un journal dirigé par un militaire, par un général, pour faire de la désinformation. Alors, vous savez, il n'y a pas que ce journal qui m'attaque. C'est depuis qu'on a mis au trou Benhaji Badawi, on s'est occupé de moi pour essayer de créer des problèmes par rapport à ma base et de faire dénoncer par les militants qui ne seraient pas contents de la signature par le FFR des accords de Saint-Dizier, sauf malheureusement pour eux que la convention de notre parti qui a réuni 800 cadres à l'échelle nationale fin novembre dernier a approuvé. Bien au contraire, lorsque la télévision algérienne repassait l'image de ce geste que j'ai fait maintenant la chercher de Jabouba, on dit ah, on a changé de veste. J'ai pas changé de veste, mais c'est changé. Alors, la plupart des délégués à la convention sont allés chercher de l'acheter, c'est-à-dire une espèce de dérision pour dire ça ne marche pas. C'est faux, je n'ai jamais traité de pègreux ceux qui organisent l'autodéfense. Mais j'ai dénoncé la distribution des armes. J'ai dit que c'était une aventure de distribuer des armes à des gens irresponsables, sans aucun contrôle. C'est le cas des communistes, c'est le cas des militants de l'université qui sont armés. Alors, et j'ai dit également que la constitution de l'Église est inquiétante parce que, en général, c'est comme cela que les guerres civiles commencent. Mais je n'ai pas traité de pègreux, j'ai dit que les milices sont recrutées aussi dans la paix, ce qui est une réalité. L'Algérie, étant donné ses structures staliniennes et paracommunistes, n'échappe pas au phénomène mafieux de la mafia. Vous parlez avec les Polonais aujourd'hui, avec les Russes, ils vous disent qu'ils n'arrivent pas à maîtriser le problème de la mafia. Tout simplement parce que les services de sécurité avaient peut-être organisé la mafia publique, maintenant ils sont reconvertis dans le privé. Alors, le système mafia existe aussi. Il y a le banditisme et les juifs. Nous avons un parti enracinés sur l'ensemble du territoire. Nous avons des rapports. Nous savons que des armes sont distribuées à des gens qui les utilisent le soir pour faire du banditisme. Quand vous armez dans les Aurès un village, votre village automatiquement s'arme. Donc, étant donné les antagonismes sociaux entre tribus, entre familles, c'est criminel.
de faire une fuite en avant qui risque véritablement de nous échapper. Je crois que c'est tout. Il y a une question écrite. Vous parliez au sujet du régionalisme positif. Qu'est-ce que c'est? Régionalisme positif, je pense en avoir parlé de tout temps. Je considérais que lorsque le régime faisait la dénonciation du régionalisme sa tarte à la crème, il ne se rendait pas compte que lui-même est organisé sur une base régionaliste. Vous retrouvez l'armée en train de certaines régions d'Algérie exclusivement. Et c'est ce que j'appelle le régionalisme négatif. Tandis qu'il y a un régionalisme qui prend en compte la vie de la population au niveau de la région. Pourquoi ne pas avoir une institution régionale élue au suffrage universel? Au lieu que ce soit des capitaux, des chiens, des oraliers qui disent que je représente les oraliers parce que tout simplement ils sont d'origine, ils sont au pouvoir et qu'ils disposent de milliards pour sa fortune, pourquoi ne pas rapprocher le pouvoir à l'échelon de la région, en plus de l'échelon local, en plus de l'échelon national. C'est surtout le régionalisme positif qui n'est pas un réel régionalisme d'apparaître. Aujourd'hui, quand vous analysez le comportement des acteurs à l'intérieur des institutions du régime, vous trouvez des luttes féroces, discrètes, secrètes, mais féroces, ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que dans un grand éditorial que j'ai fait en Algérie, j'ai dit le pouvoir veut alterner avec lui-même, c'est le pouvoir absolu qui alterne avec lui-même, c'est l'alternance clinique, mais il refuse l'alternative politique. C'est vrai qu'il y a des luttes très dures, mais c'est souvent la population, notre pays, qui souffre aussi de ces luttes internes. C'est pour ça que les présidentielles, en Algérie même, j'ai eu l'occasion de dire qu'il ne faut pas aller au présidentiel parce que ça va rendre fou les gens qui sont à l'intérieur du pouvoir, qui vont se disputer le monopole de la candidature. Société civile, entendez-vous par la société civile. C'est vrai que c'est aussi un terme rendu très ambigu et confus par le pouvoir, par le pouvoir. Le pouvoir a pu jouer la société civile contre la société politique. La démocratie, c'est-à-dire la démocratie. Où est-ce qu'on peut imaginer une démocratie sans l'intermédiaire des partis politiques? Mais il a pris entre-temps le soin de subjuguer la société civile. Pour moi, la société civile, ce sont les groupes sociaux, les acteurs sociaux tout à fait indépendants et qui sont organisés de manière qui peuvent faire prévaloir les revendications des groupes qui représentent auprès du gouvernement. Qui devrait ou pourrait participer à ces négociations et l'enjeu de ces négociations. Et quand vous n'êtes pas vu, vous savez très bien qu'il serait difficile de ramener le pouvoir à la table des négociations. Comment pensez-vous pouvoir le faire? Est-ce que vous pensez à une internationalisation de la crise d'Algérie? Merci. Beaucoup de points à élucider.
Donc, dans l'esprit d'une meilleure compréhension, je commencerai par la section A, intitulée « Cadre, valeurs et principes ». Tout à la fin de cette section, vous énoncez un principe, la liberté et le respect des confessions. Ma question est, quelles sont ? Plutôt, pensez-vous vous donner des outils juridiques pour faire valoir ce principe cher à tout, à tout monde ou à toute l'humanité. Et j'arrive à la section E, intitulée « Le retour à la souveraineté populaire ». Et permettez-moi de citer les deux phrases du début. Alors, il est écrit que les parties prenantes aux négociations doivent définir une légalité transitoire pour la mise en œuvre et la surveillance des accords, pluriel, point. Pour cela, elles doivent mettre en place une conférence nationale dotée de compétences réelles, composée du pouvoir effectif et des forces politiques représentatives. Trois questions relatives à ce point. De quel accord s'agit-il ? De quel pouvoir effectif s'agit-il ? Et de quelle force politique s'agit-il ? Et une dernière question. Devant l'impasse politique actuelle en Algérie, quelle est réellement et concrètement la prochaine étape que vous proposez au peuple algérien qui résiste farouchement tant à la terreur policière de l'État algérien qu'à la barbarie des islamistes. Je vous remercie. Le terme de dialogue, un dialogue galvaudé dans tous les sens, cachant toutes les astuces et malices du pouvoir, pour mieux donner de la noblesse à un contact, un vrai dialogue, nous avons utilisé le mot négociation. On négocie, dit négociation, négociateur sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cas, il n'y aura plus de fait accompli imposé par le pouvoir. Nous avons trop souffert du mépris affiché par celui-ci pour accepter d'assumer les responsabilités politiques, on en a un statut diminué. Alors, je connais bien la plateforme de Rome, parce que en gros, elle occupe toutes les propositions que nous avons faites depuis 3 ans. La conférence nationale que nous avons proposée en mai 1992, avant le mouvement du Média, disait qu'il faut que, pour répondre à votre question, qu'à cette négociation, l'armée soit présente et représente le gouvernement, parce que nous ne voulions pas avoir des civils qui, le lendemain, pouvaient être dénoncés. Il fallait que le pouvoir réel puisse s'impliquer, prendre des engagements, alors qu'il est capable de les respecter, de les concrétiser. Pour quel objet ? C'est tous les objets. Comment mettre fin à la violence ? Quelles institutions instaurer pendant la phase transitoire ? C'est tout cela qui ne doit être imposé par personne, qui devait être négocié librement. Or, je vous dis, le dialogue avec le pouvoir, c'est vraiment de la mascarade puérile. On nous amène des dizaines d'associations à caractère non politique, des karatéka notamment, la pêche. Ce n'est pas que on méprise, c'est pour vous montrer le jeu. Et encore, ces associations sont triées sur le volet, ce sont des associations subventionnées par
le pouvoir, alors que le mouvement associatif féminin autonome, par rapport au droit, n'a jamais été convié. Alors, en plus de 60 partis politiques, il y a le Nasr al-Haïm. Cela ne veut pas dire qu'on doit. Ces partis n'ont pas d'intérêt, sauf que le suffrage universel a quand même fait apparaître une dizaine de partis, en 1952, de 10 à 15 partis. Et en plus, tout est couché pour la crise. On prépare un papier de consensus, on le prépare dans les coulisses, et puis tout ce qu'on demande au FFS, c'est que vous avez le droit pour voter. Un parti qui est représentatif. Qui a 6 idéaux, ça devenait trop c'est trop. Et je pense que à deux reprises, deux envoyés du pouvoir, le même général de l'Opar pour m'inviter à assister à une conférence nationale, à deux conférences nationales successives, a compris que vraiment ça ne voyait pas le parapet. Quand ils viennent me voir, ils ne disent pas vous êtes un éditeur cabine, comme ils entendent, ils le disent comme ça. Ils disent, vous êtes autre chose que Mali, vous êtes un responsable national, je ne crois pas du tout leurs éloges, mais simplement le double langage qu'ils tiennent. Alors je dis, si véritablement vous pensez que je peux être utile, pourquoi vous voulez me brûler? Aller à une conférence et me discréditer mon parti. De toute manière, je n'ai jamais voulu prendre contact avec le pouvoir seul. Le pouvoir a toujours été obligé de passer par la direction qui est là, qui a été élue et qui fonctionne d'une manière démocratique et d'une manière moderne. Alors je pense que l'objet de la négociation, la procédure, devait être précisément définie par les négociateurs eux-mêmes. C'est ce que nous avons fait à Rome. Nous avons d'abord établi les procédures de négociation. Par exemple, lorsque nous trouvons une difficulté, nous essayons de la résoudre par le dialogue, mais si nous n'y parvenons pas, et que c'est un sujet important, nous le mettons de côté, quitte à le revoir après. C'est ainsi, par exemple, que le mot démocratie a été difficile à faire passer, non pas en raison de l'opposition des représentants islamistes sur place, qui étaient d'accord, mais sur le fait que la base islamiste a tellement été monté contre le mot démocratie, depuis le coup d'État qui a mis fin au processus démocratique, a complètement discrédité ce terme-là. Après avoir discuté très longuement sur la nécessité de garder le mot démocratie, de l'intégrer dans la plateforme, finalement nous l'avons mis de côté. Et nous sommes évidemment attelés à faire adopter les principes que j'ai énumérés tout à l'heure, le respect de la personne, des droits de la personne humaine. Et je crois que c'est cela qui est important. Parce que l'idée initiale, c'est de dire que la démocratie, c'est le retour aux urnes. Parce qu'on a été privé d'une victoire électorale, il faut retourner aux urnes. Et nous avons expliqué que la démocratie n'est pas réductible à un suffrage. La démocratie, c'est tous les principes qui crédibilisent. C'est le refus de la violence, c'est l'alternance politique, c'est tout ce que nous avons. Une fois que ces principes ont été admis, nous sommes revenus à la charge. Nous avons, en disant, pour la première fois de notre histoire, il ne s'agit pas simplement de résoudre la crise, c'est énorme, il faut la résoudre, mais nous allons entamer une ère politique, une ère où les Algériens et Algériennes apprendront à faire de la politique, apprendront à dialoguer entre eux, apprendront à faire des compromis entre eux. Et nous avons dit, dans cette perspective-là, il y a une dimension pédagogique qui nous impose le devoir de casser les tabous. Alors nous n'avons pas exigé, nous avons insisté pour que le mot démocratie soit repris et qu'il figure dans la plateforme. C'est une manière de dire que nous avons négocié d'une manière très civile, d'une manière méthodologique cohérente. Alors, j'ai perdu la feuille. Alors, si le pouvoir refuse, nous refusons de refuser. Maintenant, nous sommes des têtes dures.
J'espère tout simplement que vous allez nous aider tous et toutes pour casser cette volonté du tout repressif de la violence. Il faut qu'on mette fin à ça. L'Algérie démocratique ne sera pas faite par un homme ou un parquet, elle sera faite par tous les Algériens et Algériens. Donc, il faut persister, patient, et je crois qu'un compromis est toujours possible pour ne pas en arriver à l'internationalisation. L'internationalisation du problème, je tiens à le souligner, elle est déjà réalisée, elle est déjà faite. Il y a des actions de violence en dehors de l'Algérie. Il y a eu au Maroc, il y a eu en Tunisie, il y a eu l'affaire de l'Airbus. C'est un fait. Mais nous sommes étrangers. La solution appartient à les Algériens. C'est eux qui doivent régler leurs problèmes. Nous n'avons jamais subi quelque pression que ce soit. On nous a facilité la rencontre par la communauté Saint-Égidio à laquelle nous tenons à rendre hommage. Jamais nous ne nous sommes initiés. Et nous ne voulons pas qu'il y ait une internationalisation. Et ça ne suffit pas, encore une fois, de gesticuler pour dire qu'il n'y aura pas d'internationalisation. Elle aura lieu, l'internationalisation. Si la guerre, c'est une guerre sans image, c'est une guerre sans nom, se poursuit, qu'elle aboutisse à une guerre civile. N'oubliez pas qu'il y a des deux côtés, des extrémistes islamistes et du pouvoir, des gens pour lesquels l'économie de guerre est plus profitable que le retour de la paix. On fait des raquettes du côté des islamistes. Les commerçants sont raquettés, il y a des fortunes islamistes du côté des radicaux islamistes. De même que le pouvoir, je n'ai rien à vous dire sur les sommes colossales les notables du pouvoir sont en train de ramasser. Alors que la multiplication des seigneurs de la guerre ne puisse pas exposer notre pays à une guerre civile, à un scénario somalien. Donc il faut pas se contenter de s'indigner, de se révolter, il faut toujours, devant ces événements, empêcher que l'irréparable soit contre. Alors, la plateforme de Rome, les questions. Donc, le respect des confessions. Non, j'ai compris. Non. Posez la question, quels sont les défis juridiques? Il y a une déclaration de principe. C'est important tout de même. Quand vous allez en Europe, discuter avec des vrais intérêts, pas ceux qui, les paillettes, hein, qui veulent faire un mot au nom de l'Algérie, qui suivent réellement la situation, qui sont beaucoup plus du côté de peuples écrasés en otage que des éradicateurs. Cela vous dit, c'est une prouesse que vous ayez réussi à introduire le respect des confessions, le pluralisme des confessions. Alors, oui, en ce qui concerne le retour à la souveraineté populaire, vous dites, vous vouliez définir une nouvelle légalité, l'égalité provisoire. Je crois que c'est une des revendications du FFS, pratique, parce que nous disons qu'il faut laisser le président, mais ce président ne doit pas avoir tous les pouvoirs exorbitants qu'il possède selon la Constitution de 1989. Il faut mettre en place une conférence nationale qui aussi doit légiférer, et qui, avec le président de la République, trouvera des formules qui permettent de ne plus être otage de la vieille constitution, tout en faisant avancer le processus de la transition vers la démocratie. Alors, conférence nationale, la conférence nationale a été prévue parce que nous ne voulions pas tout régenter. Nous ne pouvions pas tout décider, il fallait tout de même échapper à l'accusation de tout décider au nom de la société politique, de la société civile. Nous voulions qu'avec le retour à la vie civile, se mettre en place une conférence nationale avec d'autres partis politiques, avec des représentants crédibles de la société civile. Et c'est eux qui vont définir à quel type d'élection nous devions aller, présidentielle, législative ou autre. Nous n'avons pas arrêté dans la plateforme de Rome le type de
radical et déterminé, nous voulions laisser cela à la conférence nationale dotée de pouvoir réel. Voilà. Alors, prochaine étape. Eh bien, la prochaine étape, il faut que tous les Algériens et les Algériens se mobilisent pour se mettre au service de ceux qui rejettent et le pouvoir et les radicalisations. Je pense adresser un hommage particulier aux jeunes que je ne connais pas, qui ne sont pas au service de quelque particulier, que ce soit aux jeunes d'orage, qui sont en train de faire un travail fabuleux dans les quartiers populaires et à travers l'Algérie. Ils ont tenu, il y a deux jours, un concert depuis midi jusqu'au lendemain matin, c'est-à-dire vendredi, sur le thème autour de la paix civile, démocratie. Donc il faut quand même. À votre manière pour que ni l'un ni l'autre des camps éradicateurs ne puissent faire passer de notre pays dans la casse. Alors, j'aurais souhaité que cette conférence ça serait passée en Algérie parce que la plateforme de cette égidio et tout ça, bon, c'est beau, mais nous on aimerait que vous allez convaincre les Algériens sur place, parce qu'un grand politicien, s'il n'a pas le courage politique d'être sur la scène nationale, pour moi il y a quelque chose qui manque. Surtout si vous êtes en ville et on est des. Vous n'aimez pas peut-être le mot résistant, on était déjà des résistants quand vous étiez un résistant. J'aurais aimé la deuxième des choses, vous allez parler, vous allez axer plus sur le dépassement des islamistes. Plutôt pas des islamistes, des intégristes, parce qu'il y a des bons islamistes. Ils ont violé des femmes. Ils ont violé des femmes, ils ont essayé de prendre des femmes pour savoir du mot de s'il vous plaît. Vous laissez poser la question. Et on vous demande de poser la question aussi, on essaye de faire un peu vite, essayez d'être plus synthétique, s'il vous plaît. Ok. J'aimerais juste savoir pourquoi vous n'avez pas condamné les assassinats de Tahar Diaw, Bousti, etc. Et vous n'avez même pas osé les évoquer, en aucun moment. Alors vous en prenez juste aux éradicateurs, aux militaires, aux autres. Alors moi j'aimerais bien que vous allez vous parler du projet de société que vous voulez nous donner avec les islamistes. Merci. S'il vous plaît, un peu de silence. Bon, tout le monde sera entendu. Bon, nous sommes ici pour débattre. Un peu de silence. Du respect pour les personnes qui posent des questions. Du respect pour les conférenciers. Du respect pour tout le monde, s'il vous plaît. Un peu de silence. La parole est à vous. Non. J'ai deux questions à vous poser. La première, en 1930, la France a créé un mouvement berbère en Europe pour déstabiliser la résistance. Donc c'était le seul but, c'est de créer deux peuples à l'intérieur du Maroc.
J'aimerais bien savoir, au-delà de la culture berbère, au-delà de la langue berbère, jusqu'à quel point les mouvements berbères sont récupérés par la France. Ça, c'est ma question. Ma deuxième question, c'est que si on prend juste en considération le peuple algérien, juste le peuple algérien, et en écartant tous les intérêts de la France et des autres pays occidentaux, n'est-il pas propice de créer une coalition entre le fils pour diriger ce système corrompu? On me demande
je pense que la revendication berbère au Maroc. Voilà une casserole. Hein. Voilà une casserole que le monde maghrébin traite. Le Dahir berbère, il a été pris par qui? Il a été pris par les autorités coloniales. Non pas en faveur des berbères, mais pour permettre à la grosse colonisation de confisquer les terres des campagnards berbères. Au Maroc, il y a quand même un État protégé, diminué, amputé, mais un État quand même. Alors pour passer outre à la souveraineté de la monarchie marocaine, on voulait donner plus de pouvoir aux Djemaha dans les campagnes pour que les colons puissent faire des fourmis avec les Djemaha et acheter les terres. Voilà, c'est parti de là. Mais qui a combattu le Bangui? Ce sont tous les Marocains. Qui a la tentative de séparation? Ce sont tous les Marocains. Et en premier lieu, les Berbères eux-mêmes. Donc ne mélangeons pas les gens. Lorsque nous parlons de la culture berbère, du respect du pluralisme linguistique, c'est tout autre chose. C'est toute la richesse d'un pays, c'est toute l'authenticité d'un pays qui est en jeu. Avec l'économie du respect des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Ce sont les libertés d'expression qui permettent précisément de dire quelle authenticité. Au lieu de cela, nous, en Algérie par exemple, là, nous avons eu un régime qui a décidé tout en catimini. Les options culturelles ont été des options politiques, idéologiques. Le résultat, ce que vous savez, non seulement la mise à l'écart d'une grande partie de la population algérienne, à laquelle on dénie le droit à ses enfants d'apprendre leur langue maternelle, il reste. Alors, je crois que j'aimerais rester avec vous jusqu'à demain matin, comme seul, sans que je n'ai pas les fibres, non pas celle de la résistance des dirigeants langues sur lesquelles ont joué les jeunes de l'âge. La coalition avec le fils. Moi, je crois que je vous ai expliqué que le problème est plus complexe que de le ramener à l'ombre, au sentiment, à l'affect. Un homme politique doit faire une analyse au plus proche des réalités pour trouver les moyens de s'en sortir. Alors, il ne s'agit pas de jeter de l'huile sur le feu aujourd'hui, d'être avec le fils ou d'être avec le pouvoir. Il s'agit d'être avec cette population en otage et de faire pression sur les extrémistes pour que, précisément, on puisse trouver une sortie de crise qui aille dans le sens des idéaux démocratiques de notre peuple. Madame. Oui. Fatima Oudadelmen, députée de la Vinière à l'Assemblée nationale. Monsieur Aïtifmen, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Canada et au Québec. Et je voudrais aussi, par cette occasion, vous remercier pour
les efforts que vous faites pour exprimer votre position, qu'on soit d'accord ou pas avec, ça donne des occasions de débats très civilisés comme celui qu'on a aujourd'hui. Et je voudrais aussi saisir l'occasion pour saluer la communauté algérienne et maghrébine du Québec, qui, malgré le fait qu'elle soit aux prises avec les problèmes de l'intégration au quotidien, trouve le temps et les énergies nécessaires pour s'occuper et se solidariser avec ce qui se passe en Algérie. Au cas où vous ne le sachiez pas, en décembre dernier, j'ai présenté une motion d'appui aux démocrates algériens à l'Assemblée nationale du Québec, qui a été adoptée à l'unanimité des partis. Et c'était essentiellement pour souligner le courage des Algériens et des Algériennes en particulier, qui luttent au prix de leur vie pour que la démocratie, justement, s'instaure en Algérie. Et j'ai récidivé la semaine dernière, puisque j'ai représenté le Canada à la Conférence internationale sur la tolérance à Bucarest, pour rappeler à la société internationale et à tous ces pays qu'il y a un drame qui se vit actuellement en Algérie et qu'il faut qu'on ne l'oublie pas. Ceci étant dit, je voudrais revenir sur un certain nombre de points que vous avez soulevés et m'arrêter à deux choses. Je voudrais savoir, par rapport à votre participation à la plateforme de Rome, quel est votre pouvoir réel? Par exemple, est-ce qu'il vous a été possible ou est-ce qu'il vous est possible de poser comme condition préalable à votre participation, qui crédibilise ce processus, qu'on arrête la violence en Algérie, d'abord et avant tout. Et vous avez dit dans votre présentation que vous vous réunissez depuis assez régulièrement. Vous discutez de quoi alors que des Algériens tuent d'autres Algériens? C'est pas ça la priorité? C'est que, d'abord, un mot préalable. Nous aimons beaucoup le Canada. Ce sentiment, ça doit être un mélange de fantasme, de lecture désordonnée. Mais l'arrivée en Algérie en 42 soldats canadiens avec les troupes alliées nous a permis de distinguer entre les GIA et de l'ordre mécanique. C'est un lien sympathique avec les Canadiens. Qui ont le sens de la pudeur, qui ne sont pas paternalistes, mais qui portaient de toute manière à l'époque l'espoir qu'après la seconde guerre mondiale, l'approche sécuritaire telle que les nazis et les fascistes la considéraient avait laissé place au respect du droit des femmes et des hommes à la sécurité sociale, économique, politique et juridique. Madame, vous avez soulevé un problème sur lequel nous avons plongé des heures entières à Saint-Égide, celui de la sorte de fait that they have never been really in peace. Our states have never had the possibility of promoting the national culture, national languages. This is why these dialects have survived. But, you know, the difference between the dialect and the language is that this is not of minor science. The difference is that, in fact, that culture has, another cinquième flotte, a sixième flotte, has a military force, and the dialects have none. You say that Rondo does not have any significant impact on the average citizens in Algeria. It's not true. You know, people are working, there are parties, there are young people that beyond all these media blackout are explaining the
c'est-à-dire l'argent. Je me rappelle, lorsqu'ils ont envoyé des chars
y avait laissez le monsieur poser sa question et vous monsieur posez-la justement s'il vous plaît, posez-la. Posez votre question, merci. J'espère que d'autres vont aussi poser leurs questions tout de suite et non pas faire des commentaires. En attendant, posez la vôtre, s'il vous plaît. Si par exemple, on va retourner aux urnes, ça c'est ma question, vous savez. Moi je fais partie de la famille d'Ahmed Bouda, si vous le voulez. C'est votre ami. C'est ami, c'est mon oncle à moi. Et justement, je profite de l'occasion, tout à l'heure je vais vous rencontrer. Si jamais on veut être aux urnes, soi-disant pour les démocrates, si on retourne aux urnes, puis le peuple choisira le choix islamique, choisira un État islamique, est-ce qu'on va tuer ce peuple? On va le déplacer, on va à chaque fois, à chaque victoire islamique, on va refaire le processus électoral. Madame, s'il vous plaît, allez-y. Oui, enfin. Bonsoir, monsieur Aïkarmen. Vous faites quoi? On réagit. S'il vous plaît, il faut respecter ceux qui parlent, comme vous aussi, vous invitez à avoir la parole. Ce n'est pas un dialogue. S'il vous plaît, chacun doit se respecter, ok? Allez-y, madame. Je vous remercie. Monsieur Aïd Ahmed, tout à l'heure, vous avez parlé de la difficulté que vous aviez eue pour faire accepter aux représentants du FIS à la plateforme de Rome le terme démocratie. Et vous semblez les justifier en disant qu'ils ont cette espèce de sentiment de frustration à la suite de l'arrêt du processus électoral. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais alors pas du tout. Je voudrais vous dire à cet effet qu'il est notoire que les intégristes font absolument un très mauvais ménage avec la démocratie. C'est connu. Alors je vais vous citer tout simplement deux extraits très 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 courts, ne soyez pas inquiets, ça ne durera pas longtemps. Monsieur Abessi Madani avait déjà dit en 1989, nous n'acceptons pas cette démocratie qui permet à un élu d'être en contradiction avec l'islam, la charia, sa doctrine et ses valeurs. Et Ali Belhadj a été cité également par le magazine Maghreb le 20 octobre 89. Il disait « Sachez que la démocratie est étrangère dans la maison de Dieu. Prenez garde à celui qui vient vous dire que la notion de démocratie existe en islam. Il n'y a pas de démocratie en islam. La démocratie est kofre, mécréance. » Alors, je voulais juste vous rappeler leur position, leur idéologie qui n'est pas récente, qui n'existe pas depuis 1991. Alors, vous me répondrez tout à l'heure en me disant comment gérer cette attitude et cette position. La deuxième chose que je voulais vous dire, et j'achèverai là-dessus, je voulais simplement vous dire que la plateforme de Rome, à mon avis, c'est une énorme mascarade. Une mascarade parce que les gens qui se sont assis ensemble ne sont pas conséquents avec les idées qu'ils représentent et les idéologies qu'ils appuient et qu'ils veulent pratiquer. Alors je vous dirais que le parti au pouvoir, entre autres, lui, est conséquent avec lui-même parce que son objectif est clair, il en a déjà parlé, il vise l'éradication des islamistes et c'est pour cela qu'il ne s'est pas présenté à la plateforme de Rome. Quant aux intégristes, vous savez très bien que leur but, c'est l'instauration d'une république islamique qui est en elle-même une immense éradication des droits civils et des droits des femmes, entre autres. Alors, comment gérez-vous tout cet imbroglio? Merci.
une question par écrit. Excusez-moi, je vais demander à Islam de répondre à ma place, parce qu'on va voir qu'il est déjà protesté. Nous sommes branchés sur le même radar, nous avons la même cité. Mais je vais quand même répondre aux deux précédents orateurs. Il s'agit pour les Algériens et pour les musulmans du monde entier de faire accéder la société qui est musulmane de religion, de faire accéder à la démocratie. C'est ça le problème. Il faut que nous réussissions à faire accéder à la démocratie parce que c'est ce système qui puisse réaliser le bonheur de notre peuple, c'est-à-dire permettre à notre peuple, c'est-à-dire à ceux qui le composent, citoyens et citoyennes, de réaliser eux-mêmes leur bonheur. Donc le problème est posé pour que cette société puisse accéder au statut de la démocratie, il faut au moins préserver la pacifique. Il faut rétablir la pacifique. Pas de touche à la vie. Pour le reste, un parti qui se réclame de l'islam ou un autre qui se réclame du socialisme, c'est un parti politique, il lui appartient simplement de respecter les règles du jeu quand ces règles du jeu sont librement et démocratiquement mises en place. Le choix du peuple est respecté dans la plateforme de Rome. Je crois qu'il est clair aujourd'hui que, quoi qu'on dise, je réponds indirectement à la dame, je pense que c'est un jugement tout à fait superficiel de sa part, de dire d'abord que c'est une mascarade, ensuite c'est un imbrègle. Je pense que cette dame n'est pas sortie de la culture du parti unique. Nous allons faire les règles du jeu, nous allons ramener la paix, nous allons tout faire pour que les élections soient loyales, et pour cela, il faut une phase transitoire, il faut refaire tout le fichier électoral. Parce que c'est à ce niveau-là que toutes les grandes préfabrications électorales ont été faites. Je ne vous apprends pas que des centaines de milliers de morts ont voté quelquefois plusieurs fois, alors que des vivants n'ont pas leur carte. Et c'est tout cela qu'il faut faire, mais à condition d'arriver à rétablir la paix et à mobiliser toutes les bonnes volontés. Alors je ne fais pas un procès d'intention au signataire. Madame, je vais vous dire une chose. Il m'est arrivé souvent de rencontrer des gens formidables au sein du pouvoir. Mais j'ai rencontré des gens qui m'ont donné la nausée après l'entrevue. Par contre, discuter avec quelques responsables du fils, c'est une chance, parce qu'ils sont sérieux, parce qu'ils sont éduqués. Chacun a son projet politique. Nous ne sommes pas des naïfs. J'espère que tout le monde, tous les démocrates, toutes les forces de la modernité qui sont en gestation dans la société, y compris vous, madame, vous allez participer à la naissance, à la construction du pôle démocratique qui fera que l'Algérie retrouvera un axe stabilisateur. Je sais aujourd'hui la population le rêve de reprendre en main leur destin et je suis persuadé, vu le sursaut de la marche du 2 janvier 1992, que les Algériens et Algériennes ne laisseront pas passer la moindre chance pour qu'une fois, on tourne la page de la dictature et qu'on puisse inaugurer une ère de
respect mutuel de démocratie. Alors, oui, entre parenthèses, je n'ai pas justifié du tout le refus momentané du fils d'adopter le mot démocratie. Il m'avait dit que les éléments responsables du fils ne voulaient pas du mot démocratie. Et puis, j'ai donné des explications. Ça me permet de voir, ils ne voulaient pas. J'ai dit que je ne justifie pas. J'ai dit tout simplement que le fait d'avoir interrompu le processus électoral donne raison au fils. Vous voulez les élections entre les deux citoyens si vous êtes contre la démocratie. Non, mais... Demain, les Algériens reprendront leur liberté d'expression, d'organisation. Quiconque sortira de ces principes, je ne le respecterai pas, sera ramené à mort. De confession israélite de nationalité algérienne.
Oui. Un Algérien de naissance et d'origine et de souche, le fait qu'il soit pour nous non pratiquant quelque chose, même s'il y en a un, nous n'accepterons pas que ses droits soient bafoués. D'abord. Comment les pays peuvent-ils aider? Ils peuvent aider tout simplement en refusant d'être dupés par les mensonges du pouvoir. Et on voit constamment des gens répandre des choses fausses et des mensonges sur ce qui se passe en réalité en Algérie. Il y a un véritable mur du silence, il y a des massacres qui se produisent, il y a des exactions de chaque côté et il y a un mur du silence. On montre parfois un aspect et on oublie tout le reste. Donc c'est essentiellement, nous attendons de la communauté internationale et du Canada en particulier, d'être informés réellement de ce qui se passe en Algérie, de la véritable réalité du pays, et notamment de ne pas être complaisante en ce qui concerne les graves atteintes aux droits de l'homme qui se déroulent en Algérie. Les droits de la personne humaine. Alors, les dirigeants du FIS, c'est une question donc, qui a été posée, qui revient. Notamment, M. Ali Belhaj, ont rejeté la démocratie et l'ont décrété comme étant une invention des mécréants. C'est vrai. Mais, comme par hasard, on ne cite qu'une certaine interview d'Ali Belhaj, l'une des rares qu'il a donnée, dans le journal Horizon, en 1989, et on oublie tout ce qu'il a pu dire par la suite, et ce qu'il a dit en particulier avant l'accord de Rome et après l'accord de Rome, où il a fait des écrits en se référant à des ouvrages occidentaux, des philosophes allemands, etc., pour défendre l'accord de Rome, dont vous avez vu tout le contenu, correspond à des principes démocratiques. Pourquoi voulez-vous interdire à M. Ali Benhaj d'évoluer et de défendre? Aujourd'hui, on reprochait à Boris Yeltsin ce qu'il avait dit quand il était secrétaire du Parti communiste de Moscou. C'est la même chose. Aujourd'hui, Clinton se réunit avec Boris Yeltsin et le trouve très respectable. Alors qu'il y a quelques années, c'était un chef communiste et l'ennemi des États-Unis. Donc les gens évoluent, et heureusement qu'ils évoluent, puisqu'ils évoluent dans le bon sens, nous pouvons encourager cette tendance à aller dans le bon sens. Alors, n'êtes-vous pas inquiet d'une possible accession au pouvoir du FIS? Ce qui est curieux, que dans cette question, il n'y a pas d'inquiétude concernant le maintien de la dictature. Ouais. Nous ne sommes pas les seuls, hein, tous nos voisins arabes, c'est la même chose, hélas. Et tout le problème, justement, pour les peuples arabes et musulmans, comme ont fait les peuples d'Europe de l'Est, c'est de faire leur démocratisation. Il est temps. Il y a eu la période post-indépendance, 30 ans, ça suffit. Il faut que ces sociétés se démocratisent et que les citoyens retrouvent leur liberté et qu'ils puissent évoluer normalement comme tous les peuples du monde. Alors, les gens qui sont inquiets de l'accession du FIS au pouvoir n'ont rien compris au problème. Parce que tout le machiavélisme de la dictature algérienne, c'est d'avoir faussé le débat, d'avoir occulté le débat. On était en 88, une explosion populaire. La jeunesse s'est révoltée contre la dictature. Il a réussi la prouesse de berner tout le monde pour dire aujourd'hui si vous êtes pour la modernité ou l'obscurantisme. Et lui, il tire les ficelles tranquillement pour durer encore éternellement. Je crois que c'est un jeu qui n'est pas correct. De toute manière, si les islamistes obtiennent la majorité et qu'ils ne respectent pas les règles du jeu, nous les combattrons. Alors, vous vous dites démocrate et vous soutenez les éradicateurs FLN des Suisses dans les Jeux de Rome. Quand vous avez soutenu certains terroristes en août 90, en se mettant contre les solutions ou les décisions de l'ONU, et vous vous êtes brûlés. Merci pour
le qualificatif. Là aussi, c'est toujours, vous voyez, le prototype du discours intolérant. C'est vrai que Saddam Hussein est un dictateur comme la plupart des dictateurs arabes. Mais le fait, et dans le cas de l'Irak, c'est un peuple qui a été agressé, même si ce n'est pas de sa faute. Si aujourd'hui il y a une invasion contre le peuple algérien, même si c'est une dictature, on ne peut pas accepter que le peuple algérien subisse une deuxième conséquence, c'est-à-dire après avoir subi une dictature interne, en plus il subit une agression externe. Et il faut faire la différence entre les deux. Alors, en ce qui concerne la question suivante, vous faites une comparaison avec l'Afrique du Sud. Pourquoi ne dites-vous pas que le pouvoir est d'une même origine? Les Chaouiens, pourquoi ne pas dénoncer le régionalisme, le régional racisme contre les Algérois? Bon. Thank you.
la queue. Je ne saute pas la queue. J'ai le droit, je ne demande pas de faveur ni de préjugés. Il n'y a pas de faveur, c'est pas pour ça. Yes, I'll help. I'll close the hand. Je m'en donne. Ok. Il va répondre maintenant, il y aura les deux personnes à voir.
Bon, ici les trois, et puis on arrête parce que je pense que c'est déjà l'heure, partisseur. Bon, vous allez poser une question, vous l'avez demandé tout à l'heure. Mais je pense qu'on est obligé d'arrêter, les gens sont fatigués. On vous remercie. Donc, posez vos questions. Aline. Ok, et va répondre, et on est à vous. نجاوب الأخ تسأل أسئلة سؤال الأول عن المسيحية والإسلام يقول لك باللي عرب على الإسلام ما يلزمناش لغات البصرة أنا يعني أصلي مش قبائلي ما نتكلمش الأمازيغية إما أصلي من شرق الجزائري من العنابة ولكني مع يعني الاعتراف الرسمي باللغه الامازيغيه شي هذا مدينه اللغه هذه لغه تاع البلاد ولا تاع الخارج ما جاتش من اللغه تاع البلاد والاسلام ما عرفش كل الشعوب ايران يتكلموا ايران والاتراك يتكلموا الاتراك الإسلام والتعدد اللغوي المشكل في عدم الديمقراطية هذا هو المشكل هل ترى معلش ما يعني من نأيدوش يعني تكوين أحزاب على أساس ديني لأن في أوروبا كان أحزاب اللي مبنية على إطار على أسس دينية نعرفوا بالإيطاليا كان ديموقراط كريتيان في ألمانيا السوسيو كريتيان أنا مع الشيء هذا لو الإخوان تاع الفيس ولا تاع النخبة يعني احترموا القواعد الديمقراطية يعني عدم استعمال العنف والتناوب على السلطة واحترام حقوق الإنسان ما في أي مشكلة الشعب الجزائري مسلم ما في أي مشكلة فيه سؤال يقول بعض القبائل يعني من منطقة القبائل الجزائرية يعني يرفضوا الإسلام فيها أقلية ولكن الديمقراطية يعني قلت قبيل يعني لو كان واحد احنا لابد الواحد هذا نحميوه لان الديمقراطيه مش السيطره نتاع الاغلبيه وقمع الاقليه هو السلطه للاغلبيه مع احترام حقوق الاقليه alors ensuite la question de la personne qui s'est définie tout à l'heure comme étant militante de la cause berbère, que je respecte, le boycott des élections municipales. Il y a des partis qui ont participé aux côtés du fils. Je nomme le PAX, qui a eu 0,23% des voix. Quel marron, Charles Marron. ما كانش يقول باللي الفيس تم بارتي ما نعرفوهاش كونتر لا ديموكراسي كونتر سي كونت إلا إيشوي أوز إليكسيون كي لا فيو كو النسبة يعني سا بار إيتي إكستريمون فابل فوا نول كي أسمولا كي سي روبيلي كونتر لا ديموكراسي إي لي كومينيست دو توت مانيير نو جامي إيتي دي ديموكرات لا وين يو دي ريجيم كومينيست Les garanties de la plateforme, Damanet, Mayel Damanet, les garanties, ce n'est pas une signature sur une feuille de papier. La garantie est au chef de Jazairi. Vous le voyez, les gars. C'est le peuple algérien et sa conscience, et sa conscience politique. Et nous connaissons notre peuple parce que nous vivons en son sein. Tous les week-ends, le FFS tient des conférences publiques. Malgré les conditions sécuritaires, malgré les menaces d'assassinat, malgré toutes ces conditions, c'est le seul parti qui n'a pas cessé d'activer malgré l'interruption du processus démocratique en janvier 1992. Et nous savons le potentiel
démocratique de ce peuple. Alors, ceux qui savent que les urnes les rejetteront, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, ils ont peur que le fils arrive au pouvoir. Et ceux qui connaissent leur peuple et qui savent avec qui il est et qu'est-ce qu'il pense, n'ont pas peur des urnes. Ma première question concerne la plateforme de Rome. En deuxième lieu, nous disons le rejet de la violence pour accéder ou se maintenir au pouvoir. Mais M. Aïkhanet, depuis, c'est la signature de cette plateforme. Combien de personnes ont été assassinées? Combien de femmes ont été violées, M. Aïkhanet? Pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés? Comment osent-ils prétendre que le viol de femmes, que l'égorgement d'enfants innocents est fait pour punir un pouvoir de Dieu? Ça, c'est ma première question. Je m'excuse, mais je ne peux pas parler de ça sans mes émotions. La deuxième question, on va nous faire sortir un petit peu de l'Algérie. Monsieur Aïkhanet, en tant qu'homme politique, avez-vous pris position quant à la condamnation de Tetlima Nesrine par les intégristes de son pays? La dernière partie serait juste beaucoup plus de commentaires. Il est normal, M. Aïkhanet, qu'en tant que politicien, c'est normal, tout politicien devrait le faire, fasse des discours pour remplir ses rangs. Ce que je trouve déplorable en tant que berbère et berbériste, et je n'ai pas honte d'être berbériste, M. Aïkhanet, parce que ma lutte pour la revendication berbère s'arrêtera quand on ne mettra pas un toul à la fin du prénom de ma fille et qu'on donne un extrait de naissance en berbère. En tant que militante berbériste, c'est que vous avez beaucoup plus défendu le RCD et ils nous sont des responsables du fils. Monsieur Aïkhanet, celui qui a fait de moi, je m'excuse que je fasse ce commentaire, celui qui a fait de moi une femme universitaire et non une femme au foyer, qui a en ce moment la lourdeur d'une dizaine d'enfants à charge, est membre fondateur du RCD, membre du fondateur du MCB, membre de la, du MCB pour en faire ses décisions. Je ne permets à personne de me traiter de supplétif sur la scène berbère. Il m'a permis de me prendre en charge mes positions, et ça depuis plus de 20 ans. N'ratez pas une seule occasion pour taper sur le RCD. Le seul autre parti politique à revendiquer l'identité berbère. Vous savez par ailleurs qu'il y a un ou des ex-membres du FFS qui ont écrit un livre dans lequel ils prétendent que le FFS est infiltré par la sécurité militaire à travers de M. Messili, votre ex-bras droit, que vous avez connu en Libye, justement, alors qu'il était officier de la sécurité militaire, c'est ce que vous avez écrit dans votre livre d'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie. Maintenant, personnellement, je pense que ce genre de langage ne fait qu'empoisonner l'atmosphère qui règne parmi les berbères, ne fait qu'exacerber l'esprit tribal qui règne déjà. En tant que militant de la cause berbère, pensez-vous que ce genre de langage puisse servir la cause berbère? Merci. Si vous permettez, concernant cette histoire du RCP, il y a quelqu'un qui ne peut pas être accusé d'avoir un esprit partisan. C'est M. Salim Chaker, qui était ici à Montréal il y a un mois et demi. M. Salim Chaker nous a dit ceci, qu'il était prêt à témoigner que les contacts entre Saïd et l'armée ont commencé dès après les événements de 1980. C'est tout.
est évident que la plateforme de Rome a posé des principes. Et c'est la pratique politique et le rapport de force politique réel sur le terrain qui va faire évoluer les choses. Le pouvoir a réussi, à travers ses manipulations médiatiques, à enfermer le débat de la crise algérienne dans un débat sécuritaire. Alors pourquoi, parce que ce sont vos amis du fils, alors pourquoi vous ne leur dites pas d'arrêter de tuer? C'est pas aussi simple que ça. Parce que la violence politique n'est qu'une conséquence d'une crise politique profonde. La crise algérienne est une crise d'essence politique et elle ne trouvera de solution que politique. Et elle ne trouvera de solution politique que par le dialogue, un vrai dialogue, une vraie négociation avec des partenaires responsables de chaque côté. On aura beau pleurer. Vous avez montré certaines émotions. Personnellement, je ne montre pas mes émotions. Vous savez, c'est un collègue, je suis moi-même médecin et un ami. Le docteur Frécy était un camarade de promotion. On s'est côtoyé sur les mêmes bancs de la faculté. Le docteur Bertrandschild était également mon collègue. Il y a des dizaines comme ça qui ont disparu et nous sommes complètement bouleversés de leur disparition et aussi de la façon ignoble et barbare dont ils ont été assassinés. Et nous l'avons toujours dénoncé, même si le pouvoir ne médiatise pas les communiqués que nous faisons pour ces dénonciations. Et ça ne nous autorise pas non plus à fermer l'œil, à nous voiler la face devant les centaines d'assassinats de jeunes des quartiers populaires qui sont kidnappés et liquidés. Maintenant, vous parlez de Slimane Asselineau. Personnellement, je ne crois pas du tout à cette histoire de Slimane Asselineau. Je crois que c'est une manipulation médiatique. Si c'était réel, je l'aurais défendu.